On dirait que la situation s'est dégradée depuis votre dernier passage. Argos s'est manifestement désengagé de cette opération. Vous êtes de retour ? Oh non, commencez pas. Je me suis assez coltiné Barrett comme ça. J'ai pas besoin qu'il m'envoie son clone. D'autres pirates se sont pointés en votre absence. On n'a pas eu la même chance. Calvert, Troy, une partie des nouveaux poudreux. Ils ont pas survécu. Qui sait ce qui traverse la tête des pirates? Ils cherchaient une revanche, ramassaient les miettes. Peut-être qu'il s'agissait de deux équipages différents et que c'est la faute à pas de chance. Vous pouviez pas le savoir, vous étiez pas là. Dans tous les cas, je me retrouve coincé derrière des caisses avec Barrett. Ça tire dans tous les sens. Son sourire a disparu de sa jolie gueule parce qu'il sait que la fin est proche. Je commence à m'équiper pour aller me battre quand ce con pose la main sur mon épaule et me dit « Reste ici, Lynn, je m'en occupe ». Pas vraiment. Barrett est plus dangereux qu'on ne le croit. La seconde d'après, deux des pirates sont morts et il tient le troisième dans une clé d'étranglement. Il le chope et demande à discuter. Sinon, je vous prouve le principe d'action-réaction avec le lobe temporal de ce type. Et c'est là qu'ils ont fait venir Heller. J'ai rien entendu. Mais après les 10 secondes les plus longues de ma vie, Barrett a levé les mains et ils ont tous les deux fini par monter à bord du vaisseau pirate. Et c'est la dernière fois que je les ai vus. Atteindre ça, j'aurais été trop risqué. Trop de responsabilités. Vous savez bien comment ça fonctionne. Nos clients ont juste besoin de savoir quand commencent les opérations et quand elles prennent fin. On gère tout le reste. Ils ont pu s'astroporter n'importe où. J'ai envoyé une transmission au vaisseau depuis le bâtiment des communications avant leur départ, mais les pirates ont dû la brouiller. Je vous empêcherai pas de tenter votre chance. Mais quand bien même vous les trouveriez, ils seront probablement plus vivants. J'ai perdu beaucoup d'hommes, vous savez. J'ai plus qu'une envie, c'est de me barrer.
J'arrive pas à croire qu'on se soit mis dans ce pétrin. Tu veux bien te taire? J'essaie de faire les calculs d'astroportation avant que nous ne soyons plus à portée. À portée de quoi? À portée de l'antenne sur Vectera. Tu veux bien suivre un peu? Quand on sera en dehors du système, la bande passante passera de vitesse instantanée à encéphalogramme plat. Et à quoi ça nous servira d'envoyer une transmission là-bas? Vous allez dire à Lynn à quel point on est dans la mouise? Elle a même pas de vaisseau! Tu sous-estimes le nombre d'admirateurs que j'ai dans la galaxie, Heller. L'un d'eux viendra forcément, ne serait-ce que pour revoir ce joli minois encore une fois. On est foutu. Foutu avec un F majuscule. C'est bon. Alors, qui que vous soyez, vous trouverez des coordonnées interstellaires dans les métadonnées de cette transmission. Venez nous secourir. Je répète, venez nous secourir. Alors, vous avez remis cet ordinateur en route? Quoi? Laissez-moi jeter un œil. C'est marrant. Même s'il est vivant, j'ai aucune envie de le revoir. Heller, par contre... Ok, je vous envoie les données de géolocalisation contenues dans la transmission. Je compte sur vous pour les retrouver. D'accord? Pardon? Vraiment? J'ai pas vraiment les épaules pour faire ce que Barrett et vous, vous faites. Mais le moment serait tout trouvé pour une reconversion après tout ça. Si votre équipage cherche un superviseur d'avant-poste, on peut en discuter. Argos ne va pas venir me chercher avant un bout de temps. Alors, vous me trouverez ici si nécessaire. Et au fait, si vous avez besoin de bras, je suis en train de réfléchir à une reconversion. Il serait peut-être temps de quitter Argos. On dirait que vous n'avez pas chômé. Venez me voir si jamais vous avez besoin d'un compagnon de voyage compétent. Mon contrat avec Argos se termine. Et je dirais pas non à un changement de décor. Bien sûr. Ça me gêne pas de recevoir des ordres. Et ça peut pas être pire que travailler pour Barrett. Ce sera avec plaisir. Je suis pas exigeante sur mes affectations. Je vais là où on a besoin de moi. Bon, je vais me mettre au travail. On discutera plus tard.
y avoir quelque chose d'utile par ici. C'est vous. Et moi qui vous prenais pour un pirate revenu me tuer. C'est mon genre de chance, hein ? Non. Non, ça ira. Faut juste que je bouge pas trop avec tous les antidouleurs et les antivomitifs que j'ai dans le sang. Laissez-nous vous aider. Vous n'avez aucune raison de souffrir inutilement. Pouah. J'ai eu tellement peur quand on m'a fait monter à bord de ce vaisseau pirate. Marit me disait « Je suis désolé, je vais nous sortir de là, fais-moi confiance !» Pas nécessairement ce que vous et moi on appellerait un plan. Oh, mais j'y viens. Il me dit qu'on doit faire semblant de vouloir se battre. Faire croire aux pirates qu'ils doivent intervenir avant que l'un de nous ne tue l'autre. Je me souviens juste l'avoir entendu crier « Ce gosse est un tueur! Comment je suis censé me défendre contre ses dents acérées? Il veut m'arracher le visage !» Franchement, je pensais pas qu'ils mordraient à l'hameçon. Mais ils sont venus. Et tout à coup, on se battait avec deux d'entre eux. Barrette a réussi à attraper une de leurs armes. Bingo! Il a tiré dans le dos du pilote, et la balle a traversé la console de pilotage. On a quitté notre orbite comme un projectile dans un lance-pierre. J'ai perdu connaissance, et quand je suis revenu à moi, il était là, tout sourire, comme si de rien n'était. T'as loupé le meilleur, Heller! Non mais sérieux, je me plie en quatre pour te sauver les miches et toi tu dors! Et puis après, il a fait le truc du pistolet avec les doigts. Non, je crois pas. Je l'ai vu se tenir les côtes à plusieurs reprises et essayer de pas poser son pied droit, des trucs comme ça. Ah oui, j'aurais dû vous en parler en premier. Je vous ai pas dit que je prenais des tonnes d'antidouleurs. Alors, j'étais ravi quand un vaisseau s'est pointé, et puis un peu moins quand j'ai compris qu'il appartenait à la flotte écarlate. Et j'étais encore moins, mais vraiment encore moins ravi quand Barrette a dit « C'est bon, je m'en charge. » Il leur a marmonné quelque chose et puis ils sont tous partis. J'ai traversé des phases d'inconscience, mais il me semble, oui. On a reçu un signal du vaisseau avant leur astroportation. J'imagine qu'il s'agissait de Barrette. J'étais pas en mesure d'écouter. Désolé. Tenez. Je devrais venir avec vous, non? Je pense que vous trouverez personne d'autre. Ouais. D'accord, mais... Me demandez pas de gérer des machines lourdes avant un bout de temps.
Donnez-moi juste une minute. Je crois que le pire est derrière. Ouais, ouais, tout ira bien. Ouh, tout ira bien. Je suis prêt à balancer des vannes. Faites-moi signe quand vous voudrez y aller. Vous avez donné beaucoup de fil à retordre à la flotte, Barrett. Eh, depuis quand survivre à une attaque, c'est donner du fil à retordre? On appelle ça répliquer, c'est tout? Eh, pilote, tu pourrais pas décaler un peu ton bras vers la gauche? J'arrive pas à voir la console. Bougez pas. Il essaie de voir notre destination. Il est probablement en train de transmettre cette conversation en ce moment même, tant que nous sommes encore en orbite. Ouais, bah, c'était un peu évident, non? Ok, ok, laissez votre arme. Je regarderai plus. Vous voyez? Mes rétines sont tournées loin de la console et vers cette splendide vue de l'espace de l'autre côté de la fenêtre. Mais notez-le. Une fois que nous serons rentrés à la base, on pourra s'amuser avec lui. Y aurait toujours cette place de libre sur votre vaisseau? Je vais quitter ce rocher. Ouh, je suis soulagé. J'ai cru un instant que vous alliez me laisser en plan. Alors, c'est quoi le programme du jour? C'est compris. Alors, à la revoyure. Merci de m'avoir embarqué dans votre aventure. J'ai récupéré quelque chose qui pourrait vous aider. J'ai quelque chose pour vous, quand vous aurez une seconde.
Vous êtes là pour bavarder ou vous avez besoin d'un truc? Vous avez besoin de moi? Bien sûr que oui. Mais attention, vous allez halluciner. Bonjour. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses.
voulez qu'on parle météo ? Une autre fois, alors. Je voudrais vous parler quand vous aurez un moment. Vous avez quelque chose pour moi ? Je suppose qu'ils sont partis. Oh, allez, arrêtez de jouer! Thank you.
bric-à-brac. Faut savoir laisser des choses derrière soi. L'univers ne renvoie à aucune certitude. Une fois qu'on s'y trouve, les lois de la physique deviennent plutôt des suggestions. Tu triches encore de moi, c'est ça? Qu'est-ce que t'as vu de plus fou? Exagère pas cette fois. Laisse-moi réfléchir. Une licorne. Et je ne rigole pas. Attends. La monture mythique avec la corne magique? Arrête. Tu vas me dire aussi qu'elle était chevauchée par le roi Arthur? Bon, d'accord, c'était plutôt un extrémophile qui avait vaguement la forme d'un cheval. Mais ça change pas le fait qu'il faut être ouvert d'esprit. Si tu t'aventures aux confins de l'univers avec un esprit trop cartésien, ton cerveau finit par éclater comme une baudruche. Thank you.
pas dire que je me sente mal à l'idée que vous ayez tué quelqu'un qui m'a kidnappé et sûrement tué plein de gens, mais... Matsura le Cruel, honnêtement, c'est un mec sympa pour un pirate. Je crois avoir affronté son mentor une fois, il y a des années. Il était lui aussi du genre étonnamment cordial. Sincèrement, j'y suis allé au bluff avec vous, mais parfois, ça rapporte. D'accord, pas de soucis. J'espère qu'on ne verra pas trop la flotte écarlate par ici. J'ai des choses pour vous. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Vous êtes incorrigible. J'ai trouvé ça pendant notre dernière expédition en surface. Je suis pas là juste pour canarder vos ennemis, vous savez. Je suis contente de pouvoir mettre à profit mes compétences sur le terrain. Ça faisait longtemps. Passez me voir de temps en temps quand on revient de la surface. Si je trouve quelque chose d'utile, je vous le mettrai de côté. Tout est exact. Je voudrais vous dire un truc quand vous aurez un moment. Je suis à votre service, capitaine. J'ai eu un petit contretemps sur les clairs. Arrête ! Nous étions morts d'inquiétude. Enfin, certains d'entre nous l'étaient. Arrête. Bonjour. Ton char, Walter. Comment allez-vous ? Je sais que t'étais en train de pleurer sur tes piles de billets en attendant désespérément mon retour. En réalité, Walter se plaignait de vous encore plus que d'habitude. Ce qui n'arrive que lorsqu'il est inquiet. Ne commencez pas, Catherine. Attendez... Ce serait pas... J'aime bien partir à l'aventure avec papa, prenait la poussière, mais j'aime bien pouvoir passer du temps dans ma chambre aussi. Regardez-les tous maintenant. Vous le sentez un peu, vous aussi, hein ? Depuis que j'ai trouvé le deuxième, j'ai des visions. Être près d'eux est... réconfortant. Bon, sinon, je suis pas encore tout à fait remis. Et puis c'est de ma faute si vous trempez dans cette histoire maintenant. Pourquoi ne pas rester dans le coin ? Si je vous aidais à découvrir les recoins mystérieux de l'univers.
Merveilleux. Mon grand-père vit à Aquila City, mais on le voit pas souvent. Je crois que papa aime pas beaucoup cette ville. Même si j'adore me poser...